Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Moi, j'ai passé un Noël très sympathique, dont je vais vous montrer ce que j'ai reçu de beau. Évidemment, toujours sur la même chose, entre des petites goodies, des petits Funko. Donc, sans plus attendre, suivez-moi et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, alors pour Noël évidemment j'ai reçu pas mal de Funko Pop, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et j'ai encore un petit truc en plus, donc on va pas attendre et on va commencer de suite. Donc je vais commencer dans l'univers Disney. La dernière fois vous avez déjà vu que j'avais commencé la collection avec Picsou, Riri, Fifi, Loulou, et il m'en manquait une dans cette collection. Et c'est Mystique. J'ai réussi à la trouver. Enfin, j'ai dû la commander en Australie parce que en Suisse, je ne l'ai pas trouvée. Donc, c'est pas grave, hein. Donc, commander. Donc, je l'ai reçue l'autre jour. Hop, je vais vous la montrer. Donc, cette fois, j'aurai la collection complète de Picsou, dont les trois neveux, Picsou et puis Zaza. Et là, nous avons Mystique. Je la trouve plus petite que les autres, mais franchement elle est sympa. Je vais vous la montrer. En plus il y a le petit corbeau qui est avec. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est chouette, hein, la petite Mystique. Avec son petit corbeau là. Là, voilà. Hop. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, on a fait le petit tour de Mystique. Elle est cool, hein. Là, donc on va pouvoir la ranger. Hop, allez, c'est parti, on la range. Si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est fait. Après, on va rester un peu dans le même univers. Simplement, c'était plus de Picsou vu que j'ai la collection complète. Là, c'est Choupinette que j'ai en grand. J'ai déjà... Je vais vous la montrer, elle est là, voilà. Dans la même collection, nous avons Flagada Jones et... c'est quoi? Mister Mask. Ouais, c'est Mister Mask. Alors, Flagada Jones, je l'ai déjà. Par contre, il me manque encore Mister Mask. Et pour l'instant, je n'ai encore pas réussi à le trouver. Donc, si quelqu'un de vous sait où je peux le trouver, envoyez-moi un petit commentaire. Ce serait cool, comme ça, je peux regarder pour l'avoir. Je vais déjà vous l'ouvrir, comme ça, vous pouvez voir. Hop. Elle a une bonne tête. Voilà. Voici Poussinette. Avec son petit numéro 1 sur le petit bedon. Voilà. Ouais, elle est sympa. Hein. Elle ressemble beaucoup au dessin animé, donc c'est ce qui est cool. Voilà. Ça, vous avez déjà... Hop. Par contre, il faut que j'arrive à y remettre là-dedans. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est fait aussi. Bon, j'ai changé. Après, sur quoi on va partir? Ah. Bon, alors, je vous avoue, c'est surtout du Disney. Hein. Il n'y a pas... Non, non, c'est vraiment que des pop Disney que j'ai. Alors après, je sais que j'avais commencé aussi la collection de... Attendez, faut juste que j'en mette la lampe. Voilà, en place. J'avais commencé la collection du Roi Lion. Où j'avais déjà Timon, Rafiki, il y avait qui? Et j'avais deux Simba. Et bah cette fois, j'ai pris Mufasa. Ah oui, il n'y a pas de choix, hein. J'ai le fils, il fallait le père. Bon, alors par contre, ça, c'est celui-là qui est tiré du dessin animé et non du film. Mais c'est pas grave, c'est Mufasa. Hein. Alors, je sais que dans la même collection, on a encore Nala, Pumba, Zazu. Et... Bah, en fait, il me manque pas autant que ça, hein, si. Il va m'en manquer 3 sur cette collection. Donc, peut-être qu'un jour, j'y arriverai.
Ah ouais, ça c'est du Mufasa, du grand Mufasa. Il est vraiment cool. Là. Je vais vous montrer Mufasa. N'oublie pas qui tu es. Ah bah oui, ça. Il est vraiment chouette. Hop. Voilà. Allez, encore un petit tour. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, vraiment stylé. Hein. J'aime beaucoup. Bon, allez, retour là-dedans. C'est étonnamment. J'ai reçu pas mal de choses. Donc, on va essayer de tout. Je vais essayer de tout vous montrer aujourd'hui. C'est pas sûr que j'y arrive. Alors, après. On va regarder. On va passer dans la partie méchant. Parce que c'est bien les Funko Pop sur des gentils, sur des dessins animés. Mais de temps en temps, il y a les méchants aussi. Donc celle-là, c'est une spéciale édition pour les 30 ans de la Petite Sirène. Méchant, Petite Sirène. Bon, il n'y a pas 36 000, hein, c'est Ursula. Hein. Donc voilà, je vais déjà la montrer, elle est là-dedans. Alors nous avons, dans cette même collection, nous avons deux fois Ariel. Donc une fois en sirène et une fois en humaine, avec des gens bêtes. Hein. Nous avons une fois le chef Louis, nous avons le prince Eric, nous avons aussi l'oiseau, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà. Et nous avons deux fois Ursula, nous avons la petite comme celle-ci, et nous avons aussi le grand format quand elle a volé le cure-dent, le triton à triton en fait. Enfin, le triton. Non, pas le triton. Enfin, la lance à triton. Donc voilà. On va déjà vous la déboxer, comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Elle est chouette. En plus, je vais vous la montrer, comme ça vous allez comprendre. Hop. Si ça veut bien zoomer. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu. Il y a les deux petites cochonneries là qui sont dans le dessin animé avec elle. Donc elle est vraiment chouette. Hop. Voilà. Elle est vraiment sympa avec. Je sais plus ce que c'est comme. Ah, c'est des murènes. Avec ces deux petites murènes. Hop. Ah, en plus, c'est une collection de cette année. De 2019. On va essayer de ranger ça. Hop, voilà. Ça. Ça aussi. Alors après, on va passer sur un peu autre chose. Enfin, toujours du Disney, hein, évidemment. Alors, j'ai aussi la collection de Vaiana. Et pour finir cette collection, il m'en manque deux. Dont... j'ai déjà Teka et Tefiti et Moana, mais il manque encore la grand-mère et Tamatoa. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc Tamatoa, je n'ai pas réussi à le trouver. Par contre, j'ai réussi à trouver la grand-mère. Enfin, j'ai eu la grand-mère pour Noël. Grand-mère Noël. Donc voilà, donc j'ai déjà eu la grand-mère. Hop. Où elle est vraiment sympathique. Mamie Vaiana. Là, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Mamie Vaiana. Avec son petit... sa petite canne en bois. Ses petites fleurs dans les cheveux. Elle a une robe qui est assez détaillée. Point de vue petit décor dessus. Où c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez un peu des décors, mais c'est pas super super net. Mais elle est vraiment sympa. Donc il me manque plus que Tamatoa et j'ai la collection aussi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Après, je sais que la semaine passée, je vous ai montré une collection spéciale hiver pour la Reine des Neiges. Et je ne les ai pas tous.
Et j'en ai reçu bah, justement pour quasiment finir cette collection. Je ne les ai pas tous, mais je vais déjà vous montrer ceux que j'ai réussi encore à voir. Alors dans la collection, nous avions à la base Elsa, Anna, nous avons Christophe, Sven, nous avons évidemment Olaf, il y avait aussi Anna et Elsa en jaune, le géant de pierre, le cheval, Mathias. Donc il nous manquait à la base Mathias, Elsa et Anna jaune, et le géant de pierre. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai déjà reçus aujourd'hui pour Noël. La première, bah voilà, vous savez, c'est déjà un, c'est Elsa qui est jeune. Donc je vais déjà vous la déboxer, comme ça vous allez voir. Elles sont choupinettes hein, quand elles sont jeunes. Hop. Ouais, elles sont choupinettes. Hop, là. Voilà, Elsa, en jeune. Où elle est vraiment, hein, elle est vraiment sympa. Avec sa petite robe de nuit à première vue. Enfin, plutôt un pyjama, on va dire. Hein. Avec sa petite queue de cheval, voilà. Elle est vraiment sympa. Et puis évidemment, qui dit Elsa dit forcément Anna. Et oui. L'un va pas sans l'autre, évidemment. Donc, je vais vous montrer là Anna jaune. Hop. Elle est sympathique, elle a plein de petites taches de rousseur sur les joues. Et voilà Anna. Si ça arrive, ça veut bien faire la mise à jour, la netteté. Voilà la petite Anna, où en fin de compte elle a aussi un pyjama mais assez basique, il n'y a rien de spécifique dessus. Voilà. Hop. Bon alors, maintenant sur le principe, il nous en reste deux à voir dans cette collection, qui est Mathias. Et, ou Mathias, et le géant de pierre. Alors je vais être franc, malheureusement c'est pas le géant de pierre, j'aurais bien aimé, mais je l'ai encore pas trouvé. Donc c'est Mathias. Alors, sur le principe, sur cette collection, il va nous manquer plus que le géant de pierre, parce que tous les autres, ben, je les ai. Je vais vous quand même vous le montrer, parce que ce serait dommage que vous ne le voyez pas. Ah, il est cool. Voici le petit Mathias. Enfin, le petit, c'est un euphémisme. Mais il est vraiment chouette. Alors, là, nous avons son petit bouclier. La cape, qui est sympathique. Son costume, c'est vraiment sympa. Avec sa petite armure. Elle est vraiment chouette. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de remettre ça dedans. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va reposer tout ça là-bas. Donc, voilà. Nous avons fait le tour des potes que j'ai reçus pour Noël. Par contre, j'ai encore reçu quelque chose de supplémentaire que je m'y attendais pas. C'est pas trop mon univers, mais au final, j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment chouette. J'ai reçu ceci. Voilà, je vais vous montrer. C'est une lampe. J'ai déjà une lampe la Triforce plus de Mario. Mais là, c'est la tête de Jack en lampe. Donc, je vais vous l'ouvrir pour voir. Ah, ça c'est moins cool. C'est tout scotché. On va déscotcher ça. Hop. Au moins ça tient bien. Hein. C'est bien scellé. Voilà. Hop.
Alors, voyons voir. Hop. Hop. Alors, pour l'instant, on va poser le carton à côté. Et voici la petite tête de Jack. C'est sympa, hein? Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle s'allume déjà? Évidemment que non. Alors, si jamais elle est fournie à première vue, elle se recharge. Hein, voilà. Alors, si jamais elle est fournie avec un petit câble adaptateur, je vous ferai quand même une petite photo pour vous montrer allumé dans la nuit ce que ça donne. Parce que sinon, ce serait pas cool. À moins que... Peut-être que si je la branche comme ça, vu que j'ai mon ordinateur complète à côté, pour, on va essayer de voir si j'arrive quand même à la brancher. Non. Bon, bah j'essaierai. J'essaierai plus tard de la brancher, puis vous faire une photo comme ça, vous pourrez voir à quoi elle ressemble allumée. Bon, voilà, donc nous avons fait le tour de mes petits cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Pourquoi pas arrêter? Qu'est-ce que... Oh, c'est Noël, c'est encore Noël! Qu'est-ce qu'on a reçu de beau? La dernière pop de ta collection. Oh, tiens! Fais gaffe, hein, c'est fragile. Une pop que nous avons encore reçue. Voyons voir. Alors, par contre, la seule chose, il faut un petit... Avec ce que... Ah. T'as ouvert le truc. Non, pas de soucis. Nous avons l'arme ultime. Hop, alors. Hop. C'est bizarre qu'on en ait encore une. Je me souvenais pas qu'on en avait commandé encore. Toi. Ah, c'est toi qui m'as commandé. Peut-être. Madame qui me fait des cachotteries. Papa Noël. Fais gaffe, c'est vraiment fragile. Elle a dit que c'est fragile. C'est pas ça. Oh putain! Oh c'est stylé! Alors comment dire? Là j'ai pas le choix. Alors comment je vais vous expliquer ça? Madame m'a offert une pop, mais c'est la seule et l'unique qui existe. Il existe. Comment dire? J'ai de la peine à trouver les mots. Parle, oui, mais je vais trouver. Alors, comment dire, alors, sur ma chaîne, ça s'appelle Big Team, mais j'ai un surnom qui s'appelle Tim le Maître, à plusieurs endroits. Donc, madame m'a créé, ah, je sais pas combien ça a dû lui coûter, hein, mais je vais vous la montrer, voilà. Regardez bien le nom. C'est marqué Tim le Maître. C'est moi en pop. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, parce que... C'est vraiment fragile, c'est du... C'est du papier carton. C'est du, voilà, c'est vraiment du fait maison. Hein? J'ai une idée de savoir... Oui, le texte derrière est aussi personnalisé. Ah ouais, et il y a un texte derrière. Exemplaire unique de Tim le Maître, seul hybride humain-ours, et être aussi doux qu'un chaton, joyeux Noël, mon bisounours. Voilà, hein? Donc je vais essayer de vous la montrer. Et en plus, il y a les tatouages dessus. Oui. Les bracelets, la montre, les lunettes. Non, mais c'est excellent. J'ai galéré pour prendre en photo les tatouages, les bijoux et tout ça. Alors, voilà, je vais vous la montrer. Alors, c'est vraiment une pop homemade. Il n'y a pas à tortiller. Elle est excellente. Voilà. Alors là, va falloir qu'on la remette dans le machin et tout. Ouais, c'est pas ça. Je peux m'en occuper si tu veux, j'ai déjà fait une fois. Ouais, alors là, elle est royalties. On voit pas là, je peux... Là. Alors, je vais essayer déjà de la remettre dans l'espèce de petit carton. J'ai une idée où t'as demandé, mais je suis pas sûr. Je ne crois pas que ce soit sur la même que petit carton. Pas le même endroit? Non. Mais c'est pas grave, elle est vraiment excellente. Tiens, amuse-toi à la remettre là-dedans. Oui, je sais. Voilà. Bon, ben, je crois que cette fois, on a fait le tour complet. Oui,
Voilà, le seul truc que je vais vous montrer encore, c'est que vous avez vu toutes les pop que j'ai reçues, et la dernière fois j'ai dit je commence à plus avoir beaucoup de place. Erreur. Je sais pas, vous avez vu derrière, j'ai nouveau de la place, une chier de place. J'ai créé la nouvelle bibliothèque, donc je vais vous montrer un petit peu plus haut, comme ça vous pourrez voir. Voilà, vous voyez là en haut, cette fois j'ai de la place pour ranger, donc je vais pouvoir encore en recommander un petit peu. Hop. Hop, voilà. T'as réussi à la remettre dedans? Oui, oui, voilà. Madame a réussi à ranger. J'avais déjà sorti une fois pour voir, voilà, s'il n'y avait rien oublié. Donc voilà, là on a fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo avec les petites surprises sympathiques vous a plu. Si vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire. Et puis, comme je ne vais pas vous revoir avant l'année prochaine, je vous souhaite une bonne année. Et à l'année prochaine. Allez, ciao, ciao!